personnes handicapées. Je souhaite également des éclaircissements concernant la baisse de 8% de la subvention spécifique allouée aux entreprises adaptées. Ces dernières constituent un soutien indispensable aux plus vulnérables d'entre nous pour leur permettre une insertion sociale et économique, alors qu'ils connaissent un taux de chômage de 22%, deux fois plus important que celui des personnes valides. Dans ces conditions, comment, Madame la Ministre, entendez-vous atteindre concrètement l'objectif ambitieux de créer 1 000 postes aidés supplémentaires aux entreprises adaptées, dont le nombre passerait de 23 036 en 2017 à 24 036 en 2018. Démarche bien évidemment que je soutiens pleinement. Merci. Merci Madame Valérie Rabault. Oui, merci Madame la Présidente. J'aurais trois questions, Madame.